Éviter l'ennui. Faire pour éviter l'ennui. Depuis que je suis ici, j'ai tout vu de ce monde qui est le vôtre depuis si longtemps. Une femme qui ne craint rien tant que l'ennui, qui croit qu'il faut sans cesse être passionnée pour quelque chose ou quelqu'un, au péril de sa vie. Il n'y a pas de femme idéale. Il y a moi parmi les autres, ici, maintenant. Je n'ai pas d'ambition pour moi, mais pour ce que je fais. Je ne comprends pas ce que vous dites. On a toujours peur lorsqu'on commence à comprendre qu'on vous aime. Ça va comme ça? Vous avez un bon œil? C'est parfait! Avez-vous déjà fait faire votre graphologie, Charles? Non, pourquoi? Votre écriture vous ressemble. Comment? Comme ça. J'ai un très vieux livre italien là-dessus chez moi. Vraie merveille, je ne saurais jamais m'en passer. Je ne sais pas si un graphologue pourrait lire ça dans les lignes de ma main, mais l'écriture sur les affiches m'a toujours fasciné. J'en connais qui ne seraient pas d'accord avec vous. Bonsoir tout le monde. Je ne dérange aucune intimité. Bonjour, bonjour. Bonsoir, Marie. Oh, mais je vois qu'on travaille à mort. T'as été malade? Tu sais bien que je ne suis jamais malade. J'ai pris congé, mon cher. Bonjour, bonjour. Bonsoir, beauté. Je viens chercher mon courrier. Une idée comme ça, j'adore la lecture. Première nouvelle? Y a du travail en retard ou c'est le sang nouveau qui vous pousse? Une commande urgente. Commanditaire a téléphoné. André n'était pas là, alors j'ai pris sur moi de... Oh, que d'initiative, mon Dieu! Ton tailleur te va à merveille. Tu es exquis, mon cher. Tu ne vas pas gâter ton genre en flirtant avec cette petite, hein, Philippe? Tu sais bien que je suis fidèle. Oui, bien sûr. À la femme inconnue. T'as eu des inspirations pendant des vacances? Des tas d'inspirations. Tu vas voir, je vais vous semer tous. Je vois. Mademoiselle cherche encore l'impossible. Bon. Assez causé. J'ai tout ce qu'il me faut. Mon taxi m'attend. Je me sauve. Mais ne ramenez pas Françoise trop tard. Elle aussi, elle est fidèle. Bonsoir, Françoise. Françoise, ici on est. C'est quoi l'enfant?
sinon pour que nous sachions que vous existez quelque part dans le monde. Dans votre maison, seul toute la journée, vous n'étiez rien pour nous. Maintenant, vous provoquez. Je ne voulais pas. J'ai toujours cru que le monde du travail, le vôtre, était un monde idéal. Que vous y étiez heureux, sans moi. Que tout y arrivait parfaitement. Mais j'ai appris que chacun était seul, si débattant, comme moi, avant. Rien n'est sûr. Rien n'est achevé. On pense facilement le contraire. Tout est vraiment difficile. Si c'est choisir qui est difficile, on ne peut plaire à tout le monde. Il faut être franc avec soi-même. Après, on ment sur les détails. Vous en faites pas, Françoise. Marie est une fille comme ça, directe, désinvolte. Elle s'acharne souvent à pousser à tous les autres. Ça la rassure. Ça lui donne une contenance. Tout le monde ressent ça, pas vrai? Mais Philippe, lui... Forêt, lui... beaucoup changé ces derniers temps. J'avoue que je le comprends moins. Il a toujours été un type épatant, plein de talent, le cœur sur la main. On dirait qu'il suffit qu'on le rebute un instant pour qu'il se cabre, se réfugie je ne sais où, et puis il se met en colère pour des riens. C'est un bon diable, mais peut-être un peu trop sensible. Il se fait tellement familier avec tout le monde qu'il ne peut pas souffrir qu'on soit moins avec lui. Ne lui en voulez pas trop, Françoise. Il est sans doute le premier à ne pas s'aimer dans tout ça. Allez, je vous reconduis. Vous êtes toute pâle. On ne voudrait pas vous déranger. Allez, venez. Pour éviter l'ennui, éviter l'ennui.
J'espère que je ne vous ai pas blessé quand je vous ai dit de ne pas faire l'enfant. Non, non. J'ai voulu vous laisser entendre que vous paraissez planer un peu au-dessus de la réalité. Tenez, voyez, là, vous penchez la tête comme une enfant punie. Allons, François, soyez vous-même. Le monde du travail est un monde de loups, c'est entendu, mais c'est à prendre ou à laisser. Les coups de dents ne sont pas rares, mais ils agissent comme des vaccins. On s'immunise. Croyez. Voilà, au fond. Et voilà, vous voilà rendu. Saine et sauve. À demain, Françoise. Vous verrez. À demain. Merci, Jean. Mon fils a été sage? Oui, madame. Ça suffit comme ça? Merci. Bonsoir. Ce que je donnerais pour être gay avec quelqu'un une bonne fois. Françoise, vous n'êtes rien sans la famille. Et la famille vous accable. Tout le poids porte sur vous. Je me sens inutile. Serait-ce un malheur d'être née femme? À certains jours, je me suis crue perdue. J'ai voulu tout abandonner. Retourner à mon insouciance, à ma paresse, à mes loisirs. Je m'emploie depuis quelque temps à perdre toutes mes idées fausses. C'est une occupation passionnante. Vous ne trouvez pas? Peut-être est-ce une manière d'être heureuse.
Qu'est-ce que tu fais là, mon petit canard? Tu peux encore coucher à cette heure-ci? J'ai entendu arriver. Oui, mais il faut se coucher à cette heure-ci, il est tard maintenant. Je vais attendre papa. Non, papa y arrivera tout à l'heure. Bah, pourquoi tu travailles tous les soirs? Non, je travaille pas tous les soirs, ce soir c'est exceptionnel. Pourquoi tu travailles? Mais tu te souviens pas, maman devenait paresseuse dans sa grande maison. Allez, viens te coucher, viens maintenant. Tu vas coucher dans le lit de maman ce soir, tu veux? Allez. Hop. Tiens. Demain, j'achèterai à Michel le mécano numéro 3. Et ce chevalet qui vous fait tant envie? Je croyais ce passé inhumé, ce talent bien enfoui. Qui suis-je? La femme de Jacques? La mère de Michel. Je ne suis rien par moi-même. Je suis l'image qu'on me renvoie. Il y a longtemps que t'es là? Pas tellement, non. Tu reviens de l'atelier? Oui. Travail intéressant? Oui. Je pars en voyage demain. Plus. Tu devrais être content. J'en suis pas tellement sûr. C'est pas. Vous n'avez plus rien à attendre des autres. On a le vertige. Il faut se débrouiller seul, faire face au jour.
Bonjour, Madame Léger. Comment aimez-vous ça, faire partie du troupeau? Mon Dieu, que les hommes sont mentaux. Oui, pourtant, il fut un temps où c'était un privilège réservé aux femmes. Quoi, vous mentez jamais? Moi, jamais. Menteuse. Bonjour, très chère. Ah. Message? Non, curieux. Tiens, José, le livre dont je t'ai parlé. Oh, merci, c'est gentil. Hé, doucement, c'est pas un livre pour les messieurs. Ok, ok. Vous êtes bonne. Vous dites toujours oui, comme ça. Il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Faut s'aimer au soleil. Nu à l'heure. Les envois ce matin? Bonjour, Françoise. Pas particulièrement. Non, moi, je crois à l'art ce matin. Suffit d'y mettre son art ou son charme. Saviez-vous qu'il y a des gens qui achètent des tableaux et non pas des cadres? Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux. Les yeux sans nombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux. Ceux que j'aime brillent encore. Après vous, jolie comtesse. Monseigneur. Je vous rends les armes. Vous me flattez, madame, et m'offrez votre image. Liez-vous à mes vœux et m'accordez passage. Cher maître. La forêt, j'ai décidé que ni toi ni Martel n'iriez à New York cette fois-ci. Je donne leur chance à Leroux et Françoise Léger. Comme ils seront sus et n'auront rien à faire, je les fais profiter de l'occasion. Un bon papa gâteau. Écoute, la forêt. J'écoute. Viens, laisse-y un peu. Viens voir les dessins de Françoise Léger. Voilà. Tiens. Voilà. Je la plonge tout de suite dans la création. Justement, je fais des soumissions de dessins pour albums d'enfants et papier d'emballage des fêtes. Excellent. Ne lui brise pas les reins. Tu vois, c'est plein de finesse, les détails sont... soigner. De la broderie, pour ainsi dire. Toi, tu comprendras jamais. Toi puis Martel, vous êtes pareil. Vous prenez pour le nombril du monde. Mais sans moi, où est-ce que vous seriez? Hein? Tu m'as pas fait venir pour que je te fasse une crise de reconnaissance. Eh, maudit. Oui, allô. Ah, c'est toi, Louis, comment ça va? Ah, parfaitement, parfaitement. Pas du tout, voyons. Bien sûr. Hein? Oui. Une minute, veux-tu? Envoie-moi Françoise Léger. Excuse-moi. Oui, oui. Oui. D'accord.
C'est attendu pour midi. Monsieur Blackburn, le patron vous demande, madame. Moi? Oui, vous. Non. Sauf que Françoise Léger ira passer une semaine à New York. Avec Leroux. En quel honneur? Dans la vie, très chère, c'est chacun son tour. Moi, de toute façon, ces voyages-là ne m'intéressent plus. D'ailleurs, j'étais au courant. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe si vite. Elle ne l'invite pas pour se faire apprécier. Vous pourriez pas la laisser tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle a qui vous porte ombrage? Toi, Charles Martel, pas de morale, hein? Tu... Le soleil de midi m'aveugle. Encore un pas après l'autre. Je ne veux pas que ce travail que j'aime me soit enlevé. Je ne veux pas revenir sur mes pas. Cessez de vous frotter les yeux, vous allez les abîmer encore davantage. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, puis faites pas une innocente en plus, hein. Vous allez à New York, tâchez d'avoir l'air contente au moins. Autrement, vous feriez de la peine à qui vous savez. Expliquez-vous. Ici? Évidemment, ici, où voulez-vous que ce soit? C'est tout le plaisir que ça vous fait d'aller à New York avec Leroux, le plus beau garçon des agences de publicité canadienne-française. Vous êtes trop... Madame Secard! Évidemment. Pour vous, le baromètre s'en va au beau fixe. Vous aurez de l'avancement. Vous êtes bête. Avancez où? Eh ben voilà! Le chat est sorti du sac. Ah, ma petite, il faudra apprendre les règles du jeu, hein. Ne venez pas travailler pour votre plaisir. L'avancement, c'est une loi pour tout le monde. Demandez à Leroux, il s'en cache à peine. Moi, je m'en cache pas du tout. Quant à Martel, il est trop vieux, il s'en fout. Mais vous, et Marie, et toutes vos semblables, hein? Moi, qu'une femme mariée travaille, ok. Mais qu'elle sache les règles du travail. Qu'elle reconnaisse qu'il y a de la concurrence, que nous sommes tous rivaux. Qu'elle ne vienne pas me dire qu'elle se fiche de l'avancement, des faveurs et des préférences. Et pour finir le plat, je suppose que vous n'avez pas de projet. Sinon, le charmant projet de révolutionner l'art publicitaire par la magie de votre seule présence. Eh bien, les projets. L'idéal. La réforme de l'art. De la foutaise! Maudit que c'est bête à crier. Ça ne peut rien comprendre. Avancez où? Mais qu'est-ce qu'ils font attendre? Vous êtes ici pour votre plaisir ou pour le nôtre? Vous voulez-vous en venir? Vous l'aurez, ma belle. Vous n'êtes pas autrement des autres. Vous n'êtes pas venu pour autre chose que votre satisfaction personnelle.